Gilbert Montagnier a quelque peu fait perdre pied à Laurent Delahousse, dimanche 17 octobre 2021, dans 20h30 le dimanche, sur France 2. Non-voyant, le chanteur a souhaité passer un message sur le handicap alors que la campagne présidentielle est bien lancée. C'est le journaliste qui lui a demandé s'il avait des attentes particulières à quelques mois des futures élections, seulement, il ne s'attendait sans doute pas à une telle réponse. Il faut dire que Gilbert Montagnier n'a pas vraiment évoqué le handicap mais en a profité pour s'adresser directement à Éric Zemmour. Éric, je voudrais juste te dire que ce n'est pas du tout Pétain qui a sauvé les Juifs de France. Ça, c'est des conneries. Ce n'est pas ça. Bon, a-t-il lancé dans un premier temps alors que Laurent Delahousse semblait être très surpris. Maman a traversé la guerre dans la terreur, tous les jours. Elle a eu la vie sauve parce qu'elle a usurpé l'identité de la première femme de mon père, dont il n'était toujours pas divorcé. Mais elle m'a tellement parlé de la guerre, que je suis très imprégnée par ça, a encore raconté Gilbert Montagnier. Ne sachant pas vraiment quoi répondre et très surpris, Laurent Delahousse s'est embrouillé et a alors lancé. Voilà, pour le témoignage d'Éric Zemmour ce soir. Laurent Delahousse a fait de nombreuses boulettes face à Gilbert Montagnier. Le célèbre animateur a donc confondu Gilbert Montagnier et Éric Zemmour. Une confusion qui aurait pu passer inaperçue puisqu'Aïeul a enchaîné comme si de rien n'était. Seulement, les internautes ont tout de suite mis en lumière cette bourde. À de nombreuses reprises, il a également demandé à son invité de regarder les images alors qu'il ne peut pas voir. Heureusement, Gilbert Montagnier doit être habitué et a pris la situation avec beaucoup d'humour.